أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت ولي أمري. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans la khutba d'aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental dans notre foi, dans notre cheminement, à partir d'un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: trois sentiments, celui ou celle qui les éprouve goûtera la douceur de la foi. Aimer Dieu et son messager plus que toute autre chose. Aimer son prochain uniquement pour l'amour de Dieu et détester revenir à l'infidélité à Dieu comme on déteste être jeté dans le feu. Aimer Dieu et son messager est le premier affluent de la foi. Pourquoi aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Comment vivre l'amour de Dieu et irradier l'amour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé que aimer Dieu pour les bienfaits dont il vous comble. Aimer Dieu pour les bienfaits dont il vous comble. Si le fidèle médite tous les bienfaits dans lesquels il baigne depuis sa tendre enfance, il doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure de Dieu, façon de remercier Dieu, d'être reconnaissant, c'est de l'adorer sincèrement. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de notre adoration. En revanche, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de son aide, nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son assistance. Nous avons besoin de sa proximité. Nous avons surtout besoin de son amour. Aimer Dieu, la meilleure manière de le faire, c'est de l'adorer sincèrement. C'est pour ça que vous avez dans le verset coranique de Sourate Maryam, Dieu dit: Inna alladhina amanu wa amilu salihati saj'alu lahum ar-rahman wudda. Ceux qui portent la foi, qui font œuvre bonne, Dieu leur accordera son amour. C'est pour cela qu'un sage disait: si Dieu t'aime, qui crains-tu? Et si Dieu est contre toi, en qui pourrais-tu espérer? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Chers frères et sœurs, je vous dis à vendredi prochain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.